Et bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur un jeu très attendu, un petit jeu indé, dont je rigole, un gros jeu, c'est-à-dire Rage 2. J'espère que vous allez bien, vous écoutez Vlog Gaming Movies, la chaîne où la qualité prime sur la quantité, parce que vous savez, je fais des vidéos que le week-end. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira. C'est parti pour du Rage 2, j'espère que le jeu s'est bien installé. La mise à jour, je l'espère aussi, est à 24%, si je ne dis pas de conneries, 24%, ça devrait être sa coche. C'est pas sûr qu'on passe maintenant. Facile, on va se mettre en facile. Ça tente pas d'y aller trop bourrin non plus. Je vous laisse profiter de l'intro. Et c'est parti. Nous devions façonner ce monde. Notre terre, allègrement rasée par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Reyne. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé. Encore immatures. Déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf à cause de cette populace naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leur chamaillerie, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. L'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leur défense. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les arches. Ce soir, nous rasons leur camp et leur baraque. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Qu'est-ce qui se passe dehors? Rien de bon. On ferait mieux de se préparer et d'y aller. Tu crois que c'est un exercice? On dirait pas. Non, ça a l'air sérieux. On y va, j'ai dit. C'est l'heure, hein? Ouais, on t'es affaires. Ouais. C'était quoi ça? Bon. Yep. Bon. Allez, Walker, prends tes affaires. Il faut partir d'ici. Ok, parfait. Bon. Je sécurise la porte. Malade. Plus rapide que ça, Walker. Lily, c'est un peu la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orpheline. J'ai pas de mère. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok, alors on fonce dans le tas.
La jouabilité au shooter est quand même pas mal, pas mal bonne. J'arrive! Il y en a qui pourraient comparer ça à Doom, mais c'est vraiment même pas comme Doom. Ça va être dur de garder le compte! Les chiffres, c'est pas mon truc. Walter, rejoins-nous dans la cour! Tout de suite! On arrive. Billy est avec moi. Un shooter un peu nerveux comme tu vois de là. Je viens d'entendre ça à la combox. C'est la plus grosse attaque qu'on ait jamais eue. Je déconne pas. Alors on y va. Non. Je regarde le chat aussi parfois. Bon, ok. Et c'est parti, poteau. On va aller chercher une jolie médaille. Allez, par contre, on est ici. Un grand. Oh putain. Bon. C'est à moi de jouer maintenant. Mmh. L'armure est à moi. Bon. Putain, maman va te crucifier pour avoir touché à l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais, c'est encore mieux que ce que je pensais. J'arrive. La caméra est un petit peu trop vite par moment, mais je vais quand on joue à des jeux comme Borderlands et qu'on est habitué on est habitué à ce genre de type de jeu, quand on a fait que les meilleurs FPS, on peut s'habituer. Quand on a fait des gros FPS comme Halo et compagnie, jalouse, Lily? Bah ouais, et pas qu'un peu. J'aurais été la plus jeune ranger de l'histoire. Aujourd'hui, les potos pour la primeur, il y aura deux vidéos. Une vidéo globale sur le vidéo aussi. Et plus une deuxième vidéo qui sera un avis complet parce que les vidéos devraient être disponibles sur la chaîne YouTube pour aujourd'hui. Walker, qu'est-ce que tu fous? Magne-toi! Une seconde, Walker en approche. Mais ça va faire aussi peut-être une troisième vidéo, tout dépend là.
appris à l'académie sur les armures de Ranger. Une fois chargé, tu peux activer le. J'ai oublié de mentionner, mais il va contre les spoilers, évidemment. Oui, mais ça, je crois que je vais le mentionner, vu que c'était découvert. Et toi? Non, mais t'es sérieux là? Oh, de l'overdrive. La semaine prochaine, les potos, je vais vous donner mon avis global sur Game of Thrones. J'attends que toute la série soit finie, cette dernière saison soit finie. Moi, il y en a qui font des critiques d'épisode par épisode, je trouve un peu idiot, mais bon, on juge pas une série sur son épisode, de son état qui est décrédité complète. Puis je vous ferai aussi, mais quand on est terminé, mon avis global sur la mini-série la chère de Colonel Tante Prolet, héroïne de guerre décorée, ranger, modèle, surtout pour Lily. Elle m'a recueillie à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'une orpheline sauvage puisse soit. Impossible. Mais je l'ai tué. Le général Cross. Le général Cross, c'est la Cross, vous comprenez? Regarde les voitures de crosse. Faites des crosses. Sur son nom, je dirais la crosse. Tuez tout le reste! Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique, notre croque-mitaine. Une histoire pour faire peur aux pestes comme moi. Je sais pas si Prolet est devenu dingue ou si elle a raison. Mais peu importe. Dans tous les cas, je le laisserai pas faire. Ce fils de. Reste ici! Je te donne un ordre! Oh shit. Ouch. Ça a dû faire mal, les poteaux. Irvina Prolet, c'est bien toi. Je pensais épargner les premiers archéens pour faire des expériences. Mais pour toi, je vais faire une exception. En l'honneur du bon vieux temps, Irvina. Ouch. Oui, ça a dû faire mal. C'est grâce à ton impuissance que je suis encore en vie. Bon, essayons de relancer ce truc. Dégagez! Attends! Putain! J'étais plus dans les vapes! Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Alors c'est tout. C'est tout ce qui reste. À peine 20 survivants. On déblaye encore les ruines. J'ai vu Prolet. Cross, il... Il l'a tué. Il a tué ma mère.
Je sais pas comment. Mais on doit les arrêter. Et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité. J'y ai jamais vraiment cru. Bon. Eh ben si. Et on doit y faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers, des rapports. Ils les gardaient dans le Presidio. Des Rangers ? T'es malade ? Y'a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Oh merde. Mais ouais, t'as raison. Bon. On va sauvegarder. Bon, les potos, j'espère que cette petite vidéo primeur vous aura plu. Inquiétez-vous pas, il y aura une autre vidéo, peut-être 2-3. Je ferai peut-être 2 vidéos de gameplay, phase en véhicule, phase à pied. Et je vous donnerai mon avis global dans la troisième vidéo. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Vlog Gizmo sur 4 pour Vlog Gaming Movies. C'est la première vidéo sur 3. Première vidéo sur 3 pour Rage 2, la primeur du mois. N'inquiétez-vous pas, une autre vidéo, ça viendra dans pas long. Là-dessus, je vous dis à la prochaine et à très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao!